La musicothérapie, c'est un moyen de communication avec différents types de public. Communication verbale, non-verbale, donc non-verbale par la musique avec les instruments. Donc ça sert voilà, à maintenir ou voire restaurer, on va dire, des capacités cognitives. Il y a un apprentissage implicite qui peut se faire et ils sont en capacité, comme voilà, vous avez pu le voir, d'apprendre des paroles, des nouvelles chansons, après des nouveaux des instruments. Pour moi, la musique, c'est... Comment je pourrais vous dire, je suis tombée toute petite quand je disais à ma maman, je voudrais être comme Maria Callas. Même quand je suis tout seul, moi je chantonne. J'aime bien la vie, donc voilà. Et puis si je rencontre quelqu'un d'autre, ben, on se met à discuter, à bavarder, voilà. Donc ils aiment énormément chanter, donc je leur fais effectivement aussi beaucoup de chants, mais des chants nouveaux, donc qu'ils ne connaissent pas, ou en tout cas qu'ils n'ont pas l'impression de connaître, et aussi des chansons du passé, mais là avec l'apprentissage de la parole, enfin des paroles de la musique. Et donc toujours avec un travail qui va se faire en trois temps, donc il y a un travail respiratoire, travail corporel pour se détendre, les vocalises, donc pour bien s'échauffer. En plus qu'ils prennent plaisir à faire, ça a aussi un intérêt derrière physiologique. Ah, mais Rebecca, c'est notre ange charmant. Je peux observer ce qu'ils deviennent au fur et à mesure des séances, aussi grâce à des concerts d'opéra et d'opérette, parce qu'on a beaucoup travaillé dessus, et ils sont en capacité aujourd'hui de me ressortir des chants qu'ils ont chantés il y a 2 ans, m'expliquer l'histoire de l'opéra et de l'opérette. Voilà. Donc il y a réellement quelque chose de l'ordre du maintien des capacités, certainement à une certaine zone, dans une certaine zone cérébrale. Il me l'a dit, l'a juré.